Les festivités avec le traditionnel jet des bottes. J'aimerais tout particulièrement remercier et féliciter le comité. On est content de retrouver notre Ducasse avec encore plus d'activités, avec un programme familial aussi, puisqu'on a vraiment réfléchi à des activités nouvelles pour les enfants, pour les familles. Ça n'a pas été simple pour le comité de trouver les bénévoles pour poursuivre le travail. Il y a des nouveaux bénévoles, il y a des bénévoles qui malheureusement sont partis. Et j'aimerais vraiment dédier cette ouverture des festivités à tout le comité, Julien, que tu tires depuis de longs mois et sans qui ces festivités ne seraient pas possibles. Merci aux personnes qui se sont joints également, notamment pour la construction du chapiteau. Merci à la ville, service technique spécifiquement, pour le travail qui est réalisé. Et belle et bonne Ducasse, des cinq chemins à tout le monde. Je tiens donc à demander au comité, donc les 7 membres du comité, s'ils sont disponibles. Je sais que Fabien ne sera sûrement pas à venir parce qu'il est occupé avec ses hamburgers. Mais en tout cas, je lui fais signe. Donc vous pouvez venir sur scène. Donc le comité qui est disponible. Quentin, Dorothée, Hugo, Johnny. Fabien, s'il sait se libérer. J'aimerais vous remercier pour ces années passées à nos côtés et en tant que président et trésorier. Et bien d'accord, parce que ça ne se limite pas à être trésorier et président, il y a bien d'autres choses en plus à faire. Alors, et oui, cette année, vous avez décidé de passer le relais aux plus jeunes. Je ne vais pas dire que vous êtes vieux, parce que comme j'ai votre âge, ça signifie que je serai vieille aussi, donc vous êtes toujours aussi jeune. Et par la même occasion, ben, on leur souhaite un bon courage. Alors, quitter le comité, ça ne veut pas dire que vous allez nous ignorer. La preuve, vous êtes là, et encore pour bien des années peut-être, qui sait. Maintenant, je vais vous mettre la corde, voilà. Alors, après renseignement, cela fait déjà plus ou moins 18 ans que vous vous occupez de la Ducasse du Saint-Chemin. C'est beaucoup de souvenirs, beaucoup de fous rires et aussi beaucoup de travail accompli durant cette Ducasse. Pour citer, au départ, on avait une petite tonnelle et maintenant, on arrive à un grand chapiteau avec des orchestres, des soirées. La brocante, elle fait toute la rue de Tenbril et bien plus encore. Il y avait des activités, les cow-boys, les indiens. Il y a un tas de choses qui ont été améliorées et de au fil en année, cette Ducasse s'est agrandie vraiment formidablement bien. Il y a aussi le goûter des pensionnés qui faisait ça comble pratiquement et qui redonnait le sourire aux personnes âgées. Pour ma part aussi, on a toujours continué le traditionnel jeu pour les enfants. Je me souviens, j'étais haute comme trois pommes et c'était Jean-Claude qui est là-bas à la caisse qui nous faisait courir et qui nous faisait les jeux. Donc c'est vraiment un ancien aussi du comité de Saint-Chemin. J'ai bientôt fini. Donc je profite par cette occasion de souhaiter, de remercier également toute l'équipe parce que évidemment il y a le comité, il y a les bénévoles et tout ça, mais ça Julien en a déjà parlé, donc du coup je ne rajoute pas là-dessus. Donc en bref et pour finir, nous vous remercions chaleureusement pour votre engagement durant toutes ces années et votre contribution importante au développement de cette Ducasse. Voilà. Alors, numéro 5 pour commencer. Alors,
Et de une. Et de deux. Et dû s'entraîner avant. Et de trois. Six points. Et de une. C'est la botte pas le poteau qu'il faut viser. Hein. Très bien, donc je tiens à vous remercier vraiment pour votre présence, pour avoir fait.